dites-nous ce qu'on peut faire pour sauver cet homme d'une crise cardiaque. C'est pas seulement mes patients. Si on me voit aider des Américains, je serai tué. Et ma famille avec. Vous êtes un homme de conscience? Je suis certaine que vous pouvez faire quelque chose. Je vous en prie. Même cela risque de me coûter la tête. Je sais que tu ne m'as pas envoyé ici, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, je n'ai pas une nouvelle histoire. Vas-tu me rappeler? J'attendrai que... Marc? Marc? Marc, hello? Et j'étais une fois menti. Lucha. Lucha. Allô? Où est Riva? Tu étais avec lui cette nuit? D'accord. Je vais te faire mal. Et je te le promets, tu auras envie de parler. On fait le même espace. Peut-être que c'est le diable qui est venu pour expier tous tes péchés. Maintenant, il faut qu'on termine cette histoire. Vous deux, à quoi vous servez? Moi, je sais où est le carburant. Je connais l'adresse et je sais comment y aller. Ok, toi, tu ne seras rien. Je veux juste acheter le carburant. C'est l'argent de toute la congrégation. Tu es quand même un prêtre, toi. Dans quel business tu amènes l'argent sans avoir vu la marchandise? Pourquoi tu ne regroupes pas toutes tes poses demain? Au lieu de faire des allers-retours là, tu viens au salon? Je connais des filles là, elles vont bien arranger tes ongles. Elles vont faire tes cheveux, ça va. Et toi là? Ouais, toi. C'est toi Moussa? Quel Moussa? C'est lui qui dit partout qu'il bosse avec Fela. Et toi t'es qui? Moi? Je suis Fela justement. Je te préviens maintenant. Arrête de raconter des histoires. Tu vas finir par me porter la poisse. Si tu veux faire de ma bouille, c'est à tes risques et périls. M'implique pas dedans.